Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur abonnée gabonaise. L'histoire se déroule au Gabon. Voilà une jeune sœur, durant combien de mois ou combien d'années qu'elle me suit. Mais aujourd'hui, elle décide de nous expliquer ce qu'elle est en train de traverser. De nous relater son histoire, elle-même son propre histoire, qu'on va écouter ensemble. Sa belle-sœur, c'est une sorcière. Sa belle-sœur lui lance des missiles mystiques. Or, quand elle rêve, ses rêves se réalisent. On va quand même écouter ensemble. Actuellement, c'est ça, elle est en train de traverser hein. Des moments difficiles où actuellement, dans sa gorge, franchement, ça ne va pas. Dans sa vie, rien n'avance. Aujourd'hui, on se met en relation avec des personnes. Avant de se mettre en relation avec des personnes, si nos parents nous disent non que... Lui là n'est pas bien, ou celle-là n'est pas bien. Toi, il faut chercher à comprendre pour et le quoi. Seulement si tes parents te disent non, que oui, son âge, ah, c'est son âge, mon frère, il faut laisser faire l'âge. Oui, si c'est âge seulement là, moi-même, il te dit, mon frère, il faut foncer. Mais si eux te disent non, que lui là, on ne le sent pas, celle-là, on ne la sent pas, elle, c'est bizarre là. Mon frère, il faut reculer. Voilà la jeune dame, la jeune fille en question. T'aimes, elle aimait le monsieur. Tellement elle aimait le jeune homme, elle décide de vivre avec le jeune homme en question. Et voilà comment sa belle-sœur va détruire sa vie. Voilà comment sa belle-sœur va lancer des grenades mystiques dans sa gorge. La famille, on va quand même écouter ensemble. Bien avant que je vous fasse écouter la voix de la jeune dame en question, vous qui êtes sur ma page Facebook, aujourd'hui actuellement, ma page Facebook, YouTube, tout est restreint même. C'est si YouTube, ça va que Facebook. Vous qui voulez vraiment suivre l'histoire en question ou soit les histoires que je partage avec vous, cliquez sur le lien là-bas, sur Facebook, là, cliquez sur le lien, vous allez partir écouter la vidéo, même l'intégralité de la vidéo. Et là-bas, il poste que 5 vidéos par jour. Vous qui avez des histoires, voici mon nouveau numéro WhatsApp. Contactez-moi, envoyez vos histoires et on va les faire passer. Si ça va aider d'autres personnes à se méfier. Aujourd'hui, on a la tendance de dire non, que oui, moi, mes parents me parlent, moi, je m'en fous, je suis fin. Oui, moi, oui, je suis là, je fais ce qu'il veut. Mais quand tu es dans les problèmes, tes parents te regardent comme ça. Parce que tu ne peux pas aller vers eux pour dire, ah, vraiment, il y a quoi un caillou. Hein? Quand ils disent ça, là, c'est que toi, mais tu ne voulais pas attendre, là, ils vont te donner ça propre. Donc, écoutez très, très bien l'histoire, là. Je pense que ça va vous aider, ça va nous tous nous aider à mieux comprendre. Voilà. Donc, la famille. On va quand même écouter l'histoire et je vous dis, voici l'audio de la jeune dame en question. Ok, l'histoire d'aujourd'hui parle des corps habillés. Nos parents qui sont dans corps habillés, les gendarmes l'ont fait. Bon, l'histoire s'est passée à Beauville. Tu vois, donc, souvent, on peut envoyer les gendarmes dans les villages pour contrôler les motos, un truc comme ça. Donc, ils ont fait un truc là-bas. Ils ont envoyé des gendarmes même, des corps habillés là-bas. Donc, ça aussi, moi, je ne sais pas, hein. Ils ont famille là-bas. Bon, c'est comme si ils ont famille à Bijan ici, mais. Il va chercher les petites filles qui sont dans les villages. Il y a un gendarme qui est arrivé dans le village là. Il est tombé sur une fille. Il sautait avec la fille. Il sautait avec la fille. Donc, il y a des gens qui l'ont dit à la fille là qu'elle a quelqu'un. La fille a même lui a dit, il dit non, ça ne fait rien que lui, il peut gérer ça. Donc, ils ont dit à le monsieur que ah, la fille là, elle a un mari. Et puis, son mari là, c'est un mécanicien. Un mécanicien, il n'est pas abbé, il a un truc de Burkina, un truc comme ça. C'est un mécanicien. Donc, un jour, le monsieur, il est venu se plaindre. Le monsieur là,
C'est comme si le mari du monsieur, il allait dire à le gendarme que j'ai attendu que tu sois un enfant. Mais s'il te plaît, tu viens d'arriver, laisse ma femme tranquille. Dans tout ça, le monsieur n'a pas compris. Donc, il s'est renseigné, il a demandé à le monsieur, il est où? Lui, on dit à le monsieur, c'est un mécanicien. Mécanicien de quoi? Les motos, quand les motos sont en panne, là, ils repartent dans le temps. Le monsieur s'est levé là. Il allait là où le monsieur travaillait. En son magasin, le monsieur allait se plaindre. C'est comme si le gendarme s'est levé là. Pour aller se plaindre chez le monsieur que toi, tu es sale comme ça. Tu es sale. Tu es comme ça tout en temps. C'est toi, un individu, qu'on te plaint. La fille, elle n'aimait pas ton goût. Ce n'est pas ton genre de femme. Toi, un gars sale comme ça. Et non, le monsieur n'a pas parlé. Le monsieur dit que tu veux ma femme. Ok, prends-la. Le monsieur a mis le bagage de la jeune fille dehors. Après ça, un mois après, le monsieur, après toi, après toi, il dit que son troisième pied lui fait mal. Ça lui fait mal. Jusqu'on voit que en son kiki, ça devient long un peu. On ne comprenait pas. Tu vois, sa chose même est devenue long comme ça. Donc, ils sont allés consulter, on dit que ah, c'est le monsieur là qui a fait ça. On dit que c'est le monsieur qui a fait ça. Parce qu'il a manqué de respect à le monsieur. Et puis, le monsieur, c'est un vieux. Hein. C'est un vieux. Le monsieur est prêt à checker lui-même 1000 fois. C'est comme si le monsieur a pris les mains au monde. Le monsieur, tout le monde le connaissait dans le village. Si tu arrives que tu dis, ah, je vois tel mécanicien, tout le monde le connaissait. Donc, il allait me demander pardon, monsieur. Le monsieur, il allait laisser tomber. Tout a bon. Ça va, tout est calmé, sa chose. C'est guéri en fait. Là, il a quitté là, en eau, et il allait à l'eau encore. Il est là-bas pour aller travailler. Là-bas, quoi, il a accordé une fille. La fille, là, elle a 2 enfants. Elle vit avec son mari. Donc, comment il a fait? Parce que ils n'ont pas de cases. Ils ont pas de gaz pour dire qu'ils vont on va manger. Donc, il a vu la femme là, il a appelé la femme à hacker. S'il te plaît, je vais te donner l'argent pour aller faire le marché, tu vas cuisiner, viens manger. Ça, et la soeur a commencé à aller. Attends. Au village, nouvelle arme, souvent ton arme. Avant d'arriver à la maison, la nouvelle est déjà arrivée. C'est comme si une nouvelle t'attend au village, à la maison. Ils ont dit à son mari que ah, ta femme a sort avec le monsieur. Donc lui, il n'est pas pour ça comme la réalité. Il dit que c'est Auré qui attend, mais bien sûr, c'est les yeux qui voient. Sortir à la dame, quand le monsieur. C'est qu'il est passé, il est venu parler aux gens, au le monsieur. Il est passé ici, un cours à bio. Et voilà. Il est venu parler à ma fille, c'est ma femme. On a eu 2 enfants. Qu'elle laisse là. Le monsieur, il a compris. Tranquillement, tranquillement, il a compris. Dans ça, il continue de sortir avec la femme. Mais la femme aussi, je ne sais pas si c'est à cause de l'argent, ou bien à cause de quoi. À cause de quoi? Ou bien le monsieur, c'est parce que c'est un jardin bien, un corps habillé. Quand même, il continue de sortir avec la dame. Donc le monsieur,
Donc, si le monsieur l'a maudit, ou bien le monsieur a fait un médicament, un coup comme ça, un jour il pleut, bon, un coup, hein, le ciel est devenu noir. Noir comme ça. Et puis on voit les tonnerres là. Tu vois, tonnerre même là. Po, 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 po. Tonnerre là. Tu vois, les tonnerres. Il était assis devant les maisons. C'est pas maison même. Ma maison, c'est un nom, non, mais j'oublie pas si on appelle ça chandam. Oui, bien, on appelle ça comment? D'accord, on appelle ça comment? Seigneur. Oui, je me rappelle. Ils étaient assis devant les. Ils étaient assis devant les gens, là. Devant les gens, là. Dès qu'ils se sont levés, dès qu'ils se sont levés, tonnerre là. Tonnerre qui a cassé le mur là. Et puis c'était là où le monsieur était assis là. Tonnerre qui a cassé le mur là. Des trous même. On ne dit pas si on dit une partie, un saut, une chose, ça pisse l'eau. Mais quand on pense sincèrement, ça casse une partie du mur. Voilà. Donc imagine, si tonnerre là, l'avait pris là. Il était mort. En même temps, je me dis, là, il a régné au village avant de mourir. Donc, les messieurs, les matins, hein, les groupes là, souvent, d'autres peuvent aller dans telle voie, aller contrôler, aller escroquer, voilà, on appelle ça escroquer les motos, voilà. Escroquer les motos. Escroquer, oui. J'ai trouvé le mot maintenant. Donc, le monsieur, il dit que, ah, il a assis, il a assis, et puis, genre, il attend une moto, c'est comme si une moto, elle est venue. Mais il se lève, il va plus, il n'attend plus le bout de moto, mais moto ne passe pas. Maintenant, lorsqu'il s'assoit, il attend que moto même s'approche de lui-même, mais moto ne passe pas, moto ne vient pas. Non, là, plus de moins 4 fois. Il s'est levé là, il dit sans manger. Sans manger aussi, il est parti là. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait 2 minutes même. Parce que lui-même, il avait les petits motos. Les petits motos dans la poste à boire, l'acheter, à manger vite pour venir. Et puis, il a trouvé un gros caca comme ça. Caca, le jus. C'est pas l'homme qui a caché. Ça, caca qu'on a vu, c'est pas l'homme, c'est pas caca de l'homme. Un gros caca comme ça. Oui. Non, le monsieur s'est levé là. Il s'est déplacé. Il allait ailleurs. Là-bas aussi, il a arrêté un jeune. Il a arrêté un jeune. Le jeune dit, OK. Depuis matin, là, il n'a pas eu de client. Donc, le monsieur n'a qu'à attendre. Au moins, si il a la route des clients, puisque au village et puis à Beauville, là. Si tu as pris 2 personnes, ils vont payer au moins 2 personnes, 1 500 ou bien 1 000 francs. Donc, 3 personnes, fait 3 000. Donc le jeune a dit à le monsieur Ake depuis matin, il n'a pas eu de client même pour dire qu'il va acheter essence. Et le monsieur a dit non, qu'il faut aussi, il faut payer. Il n'est pas sûr. On lui a dit de payer. 1 000 fois, mais 2 000, un truc comme ça, avant de passer. Le monsieur dit non, faut payer avant de passer. C'est comme si le corps habillé a dit à le jeune que tant qu'il ne paye pas, là, il ne va pas passer, soit il va bloquer la moto. Donc le jeune a, puisque lui, il était saisi de la moto, il a allumé sa moto. Hein. Il a allumé sa moto. Hein. Et puis, le corps a bien aussi a pris sa moto derrière le jeune. On dirait, on ne sait pas s'il est bête. Toi, tu viens d'arriver dans le village. Tu ne connais pas les petits
Goulogno. Tu connais pas la route là. Ça passe à gauche, ça passe à droite. Il s'est penché parce que le jeune n'a pas donné. Il a mis foin. T'as tout moto à derrière lui. Attends, les jeunes, eux, ils méprisent tout la route des villages. Donc, c'est dans ça. Je ne sais pas si c'est quoi la bio. Si c'est un truc, un quoi là. Il a pris sa moto, il est derrière le jeune. Attends, le jeune, tu vois. C'est la voie là, au milieu de la voie, il y a côte là. Et quand c'est en haut, même on peut descendre là, on va te la faire soumettre. Et puis, il y a une voie qui passe à droite. Donc, le monsieur là, lui, il ne connaît pas la voie là, mais le jeune maîtrise bien la voie là. Donc, le jeune, en descendant contre là, il a été moteur de moto. Donc, il a pris la voie des. Un truc à droite, là. Il est rentré en bourse avec moto. J'adam là, en son temps, déjà il y a un gros camion. Les camions qui prennent bois là, le gros bois, ça venait. Lui aussi, il était sur quoi là, il est en tas. Et puis, camion aussi, il camion là, prendre. Lui prendait une sous sa pile. À quoi penser? Donc, camion, il avait bois. Et puis, ce n'est pas les petits bois. Lui aussi, il prenait sa force au moteur quoi là. Attends, lui aussi, il était en panne. Camion l'a ramassé. Oh, par contre, ça l'a ramassé. Le monsieur, il est mort sur les champs. Même ça dans la tête, même on voit, et puis même les mots. Donc, d'autres sont allés consulter. Ils ont vu qu'il y a. Parce que les méchants, il est venu dans le village et il est méchant. C'est pour cela il y a des gens qui ont tué comme ça. La mort là, elle est trop bizarre parce que. Il a vu le camion au moment de prendre frein, puisqu'il était trop en vitesse. Au moment de prendre frein pour freiner, il était sur côté, c'est comme si il était là, descend côté là. Et puis le camion, lui, il montait avec sa force. Camion aussi, hein, quand même. Au moment que lui, il va avoir un frein aussi, hein, c'est déjà trop tard. Quand le camion l'a ramassé, et puis tu es mon cadeau. Il est mon cadeau. Non, c'est pour dire à nos parents, ceux qui sont dans l'armée, quand on les fait dans la mission, ils ont arrêté les bêtises. Parce que quand ils viennent dans le village, ils ne savent pas comment le village là marche. Ils viennent jouer avec les filles des villages. Aussi, on les parle là, ils n'écoutent pas. Donc, après, ils parlent pas là, à cause des femmes là. C'est ça. Un monsieur là, tu es comme ça. Ils sont dans le con. Est-ce qu'ils ont dit que ce n'était pas le jeune là, que c'est un monsieur qui l'a tué. Parce que le monsieur l'a sauté avec sa femme. La famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que la jeune fille a dit. Elle s'est battue, hein. C'est pas facile d'expliquer l'histoire en question. Donc, ma soeur, je te check, ma petite, parce que tu m'appelles tonton, tu m'appelles papa. Vraiment, merci beaucoup pour ce respect que tu me donnes. Et je te dis aussi, en retour, merci beaucoup que les histoires que tu me confies. Mais aujourd'hui, c'est les abonnés qui ont décidé que j'ai fait couler votre voix. Donc, on est dedans. Donc, la famille, je pense qu'on a retenu, dans son histoire, on a retenu. Celle ou celui qui peut vraiment retenir quelque chose, il a retenu dedans. Faisons vraiment, vraiment, vraiment attention. Les instituteurs, quand ils arrivent dans un village, ils veulent avoir femme là-bas. Les corps à bio, quand ils arrivent là-bas, ils veulent avoir femme là-bas. C'est-à-dire, même si tu n'es pas tous ceux que j'ai cités là, mais quand même si tu as une branche
d'aller au village là-bas, ils vont t'affrétir, tu arrives là-bas, s'il vous plaît, arrêtez de courir derrière des petites filles ou des femmes. Quand on te dit, lui, celle-là, elle est mariée, pardon, faut hésiter même. C'est-à-dire, il faut éviter même de dire, non, que oui, je vais marcher à telle personne. Faut éviter même de dire, je vais marcher à telle personne, c'est pas bon. Donc, je ne vais pas trop ajouter des choses. Donc, on va quand même laisser ça. Donc, je vous dis à très bientôt. Et il y a d'autres histoires encore qui viennent. on a écouté. Hein. Voilà, je ne vais pas trop parce qu'elle a, elle a beaucoup parlé, plus de 17 minutes. Moi, il dit, je vais accompagner là. C'est que vraiment, c'est long métrage qui a sorti là, là. Mais chaque, au moins, si tu n'as pas compris l'histoire, il faut rébisser encore. Je pense que tu vas comprendre. Ce n'est pas facile. Le stress est là quand tu n'es pas habitué. Le stress est là. Et de deux aussi, bon. Tout est là. Voilà. Donc, elle se débrouille très bien. Parce que la voix, c'est bien. Voilà. Mais elle, voilà, elle est malade. Voilà. Elle est malade. Vous savez, elle est malade. Ébec, donc, c'est une maladie. Donc, elle s'est débrouillée. Et elle a parlé, elle s'est bien exprimée. Et je lui dis merci beaucoup, ma petite. Tu as mon soutien et encouragement. Et on est ensemble. Et on se verra. Et on a.